Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'ai décidé de vous faire des directs assez régulièrement. Vous allez pouvoir voir à partir de maintenant, je vais le créer dans la page événements. Ça va être fait, je dirais, une semaine ou deux à l'avance. Comme ça, je vais choisir des dates. C'est souvent sur l'heure du dîner. Je marque de midi. Bonjour Martine. Je marque de midi à midi et demi, mais en fait, je sais qu'il y a des gens qui sont en pause à partir de midi, fait que je vais attendre une dizaine, quinzaine de minutes avant de commencer le direct. Donc, c'est un petit peu après-midi. Je vais faire ça régulièrement. Là, cette semaine, j'ai prévu aujourd'hui, j'ai prévu aussi vendredi. C'est sûr que là, dépendamment là, des lectures que je fais avec les gens, tout ça, c'est sûr que c'est sur l'heure du midi, mais mettons entre midi puis 1 heure, là. Donc, si vous voulez vous inscrire sur ma page pour être au courant de quand je fais des directs. Bonjour Nancy. Donc, bonjour Nancy. Donc, c'est ça, je vais en faisant la notification, vous allez être au courant des fois où je fais les directs, les lives comme ça. Là, aujourd'hui, c'est sûr que je vais vous parler un petit peu avant de commencer parce que je vais attendre que les gens se connectent. Le 16 juillet, la semaine prochaine, mardi, c'est la pleine lune. Donc, je vais faire une méditation le 16 au soir. Ça va être la méditation mensuelle avec le thème mensuel, mais on va aussi se connecter avec l'énergie de la pleine lune. Depuis le début de 2019, à chaque mois, je fais mes méditations mensuelles avec l'énergie de la pleine lune, puis c'est vraiment, vraiment cool. C'est très fort. Il y a toujours quelque chose là en juillet. Ça se peut que vous vous sentiez un petit peu perturbé parce qu'il y a deux éclipses en plus. Il y en a une qui a déjà eu lieu, puis il y en a un autre qui s'en vient. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Puis là, Mercure est en rétrograde aussi. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la communication, il faut faire attention dans ce temps-là. La vie vous amène peut-être comme moi à vivre c'est pas des lâcher prise parce que on n'a pas besoin de faire grand chose quand ça arrive, mais la vie nous amène à du détachement. Tiens, je vais plutôt dire ça comme ça. Bonjour Lise. Donc, on nous amène à nous détacher de plus en plus de plusieurs choses. Puis en même temps, de l'autre côté, ce que je vois, c'est qu'on est de plus en plus créateur, créatrice. On matérialise de plus en plus beaucoup, rapidement et facilement. Faites attention, ce que je vois parmi mes clients, tout ça, c'est qu'on oublie de préciser. On demande des choses, puis ça se fait automatiquement, mais c'est pas tant comme on aurait pensé. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller dans une précision. L'autre chose aussi que je vois, c'est qu'énergétiquement, on est en train d'intégrer beaucoup au niveau de la lumière. En fait, c'est notre lumière intérieure qui est en train de prendre de plus en plus de place dans notre corps physique, dans nos corps énergétiques. J'ai failli faire à tout. Puis, ce qui arrive, c'est que ça peut être difficile. Là. On peut vivre certaines choses. Fait que moi, pour moi, tout est ascension. C'est sûr que, bon, la science parle de problèmes physiques, problèmes mentaux, problèmes maladies. Bon, moi, je suis pas là-dedans. Pour moi, tout est ascension. C'est-à-dire que, en fait, bonjour Linda, tout ce qui a une apparence ombre dans notre vie, qu'on est en train de vivre, c'est que, justement, ça a besoin d'être transmuté. Je vois qu'il y a plusieurs experts qui se nomment experts dans différents domaines et qui aident les gens à différents niveaux. Mais en même temps, ce que je perçois, c'est que quand
En tout cas, c'est à vous de voir, tout est parfait. Mais il faut pas oublier de guérir le corps, oui, quand il est atteint, mais aussi vos autres corps. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui a fait que je vis ça présentement? En même temps, il ne faut pas trop être dans le questionnement. Il faut juste demander à l'univers la compréhension. Vous allez le recevoir. Vous avez juste à vous ouvrir. Bonjour, Chantal. Donc, si je ne vous nomme pas, c'est juste parce que je ne vous vois pas. Hein, et je ne vous vois pas défiler dans mon fil d'actualité. Donc, comme je disais en début de séance, je vais faire une lecture générale, comme je fais toujours. Je vais me connecter avec vos extensions d'esprit, vos guides, les maîtres ascensionnés, les anges, tout ça pour vous transmettre ce dont vous avez besoin pour votre évolution, auto-guérison. Si vous voulez, parce que je vais faire des lectures plus régulièrement, sur ma page, vous allez voir mes événements. J'ai créé un événement pour les lectures d'âme. Et comme je disais, ça ne sera pas tout à fait vers midi parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont pas, ils terminent à midi. Donc, bonjour Caro. Bonjour Sylvette. Donc, c'est ça. Et puis, si jamais vous avez des questions par rapport à votre évolution, qu'est-ce que vous voulez, tout ça va me faire plaisir de vous répondre en direct. Ça se peut que j'instaure des thèmes, mais pour tout de suite, j'y vais encore par intuition. J'ai besoin d'être comme ça encore pour un bout. Je suis pas très dans programmé à l'avance. Qu'est-ce qui va se passer dans l'ici là maintenant? En même temps, tout est parfait. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai une nouvelle formation qui va commencer bientôt à être l'être multidimensionnel que je suis. Donc, j'ai fait une série de conférences là-dessus dans les années passées. Et là, je suis vraiment en train d'intégrer des nouvelles connaissances par rapport à ça. Puis, je vais vous transmettre ça probablement en août ou septembre. Donc, soyez à l'affût si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous allez beaucoup évoluer avec cette formation-là. C'est sûr qu'on va aller apprendre à se connecter avec nos extensions d'esprit, c'est-à-dire avec la lumière qui est la nôtre, en fait, les connaissances et tout ça. Donc, on va être de plus en plus un être multidimensionnel, en fait. C'est quelqu'un qui est dans la santé parfaite, dans l'abondance infinie, limitée, puis qui accède à l'intelligence infinie également, c'est-à-dire, c'est un rêve depuis que je suis toute petite de pouvoir accéder à ça. Je me suis toujours dit comment ça se fait qu'on est constitué comme ça avec toute cette capacité-là, mais qu'on n'arrive pas à aller dans le 100%, même au-delà, parce qu'on pourrait accéder à l'information tous, donc on est plus qu'à 100%. Donc, c'est ça. Mon objectif à moi, en tout cas dans cette vie-ci. Puis, je dis pas que je l'atteins là, au complet, c'est pas vrai. Je suis en évolution comme toutes vous autres, sauf que ben je reçois des outils pour pouvoir y arriver. Je sais que plusieurs d'entre vous en avez aussi. Fait que quand je fais des formations, c'est un lieu de partage. Hein. C'est sûr que quand on se connecte tout le monde ensemble, ben on partage nos connaissances, je veux pas, énergétiquement, c'est ce qu'on fait. On crée une énergie. Une énergie de tous nous autres ensemble. Moi, j'appelle ça une énergie angélique. Juste pour dire que c'est une lumière qui se crée. Et puis, cette énergie-là, c'est notre énergie à tous. Puis après ça, on peut avoir accès à cette énergie-là qui porte la connaissance de tout le monde. C'est vraiment cool. Donc, en même temps, c'est comme ça avec tous. C'est juste que je le nomme. Je vous nomme ce qui se passe là. Là, je vais aller voir au niveau des cartes. Je vais vous demander tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur, de voir peut-être une étincelle divine, de la ressentir, de l'entendre, de savoir qu'elle est là, tout simplement, dans votre chakra cœur. Et cette étincelle-là prend de l'expansion pour devenir comme un soleil, votre soleil divin intérieur.
Ensuite, vous pouvez mettre l'intention que tous vos autres chakras s'éveillent, s'activent et qui deviennent comme des soleils divins, de la même largeur que votre chakra cœur, le soleil de votre chakra cœur. Et vous allez pouvoir voir comme un pilier, un canal de lumière. C'est sûr qu'au début, si vous réussissez à voir, ça peut être petit. Mais à chaque jour, ouvrez votre canal. Il faut rester avec les chakras bien, bien éveillés, allumés, actifs. Il faut jamais s'éteindre. Jamais, jamais, jamais. Moi, je m'éteins pas. Ça arrive des fois, là. On vit des expériences avec certaines personnes. Quelqu'un qui est dans la jalousie, par exemple, ou peu importe. Puis là, on sent. Bon, là, c'est à nous de corriger ça. On s'éteint pour pas prendre la place. Ben, en fait, c'est notre place qu'on prend. Donc, c'est juste de. OK, je me réallume. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Mais on est dans une expérience humaine, donc tout est parfait. Bon. Je vois la première carte qui sort, parle de voyage. Donc, on est dans le voyage de la vie pour commencer. Il y a peut-être des gens qui ont comme planifié quelque chose, un voyage ou autre. Mais c'est vraiment le voyage de la vie, puis le voyage de la vie dans le sens que, ben là, vous avez été en vacances pour la plupart de votre vie, puis là, on vous demande de prendre les moyens pour vous reconnecter avec votre moi supérieur. Là, il est temps que vous travailliez à faire un retour vers la source à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de passer dans l'au-delà après votre mort physique pour vous connecter avec votre essence, purifier votre énergie et puis faire des pardons. Puis, n'oubliez pas non plus que pour la plupart, vous avez une expérience de vie qui est peut-être limitée dans cette vie-ci, dans le sens que vous allez comme passer dans l'au-delà éventuellement. Et puis, c'est ça, c'est de faire le maximum que vous pouvez dans l'ici, le maintenant pour vous reconnecter, purifier, mais aussi pour matérialiser ce que vous ressentez, vos rêves, vos désirs les plus profonds. Donc, reconnectez-vous. Donc, c'est sûr que il y a peut-être un voyage que vous allez faire. Bon, ça peut être un week-end, une journée, ça peut être. Bonjour tout le monde, Karine, Josée, Daniel, Chantal. Donc, et puis ça va être très ressourçant. Je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de fatigue. Il y a des gens qui se rendent jusqu'à l'épuisement. N'oubliez pas d'écouter vos cycles, votre rythme à vous. On a tous un rythme et un cycle. C'est ça que je pensais tantôt quand j'étais dans le bain de cristal avant de venir me faire le live. J'ai pris un bon petit bain de cristal d'une demi-heure. Puis ce que ça me disait, c'est que peu importe dans le brouhaha de la vie que je peux être, maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, j'amène toujours un équilibre. Il faut être en équilibre. Peu importe ce qui est là, peu importe ce que la vie vous amène comme tâche, travail, ce que vous avez à faire, les enfants, la routine, tout ça, il faut trouver votre équilibre, suivre votre cycle et votre rythme. Quand c'est le temps de vous vous reposez. Quand c'est le temps d'être en action, soyez dans l'action. J'ai beaucoup d'amis et de personnes autour de moi qui sont des personnes d'action. Ils sont dans l'action, action, 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 mais ils n'ont pas d'équilibre. Ils manquent d'équilibre. C'est beau être dans l'action, mais aussi être dans l'inaction, c'est quelque chose qu'on doit faire. Puis tu sais, inaction, on s'entend, là, on n'est pas, c'est soit en train de méditer,
connecter ou donc on est en train de faire quelque chose quand même, prendre soin de soi, c'est important. Faire attention également à vous. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais là, je le répète parce que c'est comme un deuxième message que je reçois. À votre parole. Votre parole, c'est une forme de prière. C'est des demandes que vous envoyez à l'univers. Ce matin, je m'entraînais, puis j'écoute Anthony Robbins en m'entraînant. Puis, ce qu'il expliquait, c'est la plupart des gens réussissent pas parce qu'ils ne sont pas dans un bon état. Comment vous vous levez le matin? C'est quoi vos pensées? Qu'est-ce que vous répétez continuellement comme parole? C'est important. C'est des vibrations, c'est des messages, c'est des prières que vous envoyez à l'univers. Même vos pensées, les pensées créées, il faut faire attention également dans ce sens-là. C'est pour ça que moi, j'ai quasiment peur de ben, pas tant que ça, parce que j'ai appris à gérer, là, mais il était à un moment donné, là, que, ouf, j'étais comme un petit peu, parce que j'étais consciente du fait, puis je suis pas différente de vous, là, en passant, j'étais consciente que je manifestais, que je crée continuellement. Donc, c'est comme, faut faire attention. J'ai vu, puis en même temps, tu sais, il n'y a rien. Tout est expérience, là. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est d'être en conscience là-dedans. C'est ça, c'est de suivre votre cycle, votre rythme, parce que je sens que ça l'amène à de la fatigue, de l'épuisement pour certains. Puis quand on est dans cet état-là, ben on n'est pas bien aligné dans le sens que on peut être irrité, on peut être des fois en colère. Tu sais, on peut faire des actions, on peut dire des choses qu'on voudrait pas nécessairement. Donc prenez le temps de vous équilibrer. C'est de prendre le temps aussi de libérer ce que vous vivez comme problème dans l'ici, là, maintenant, s'il y en a un. De vous libérer en focusant, je dirais, sur ce que vous désirez atteindre. Et non, le problème chez les gens, la plupart du temps, qui n'arrivent pas à passer outre la situation qu'ils sont, c'est qu'ils vont mettre l'énergie du temps sur justement la problématique qui est là. Il faut pas, parce que vous êtes avec la loi d'attraction en train de juste attirer davantage de cela, de ça. Donc, il faut vraiment changer votre focus. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez à faire. Quand vous allez, puis là, tu sais, moi, j'utilise le mot faux, puis tout ça, là, il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça, mais moi, ça vient pas me heurter, là, c'est un mot, c'est pas comme si j'utiliserais d'autres mots, là, qui sont plus dans l'énergie négative, là, comme le travailler pour moi, devoir, c'est pas, j'aime ça. Donc, j'ai toujours choisi des travails que j'aimais. J'ai toujours aimé étudier. Donc, les devoirs pour moi, puis le travail, ça a toujours été un plaisir. Donc, j'ai pas de karma par rapport à ça. Puis le mot faux non plus, parce que ça me dérange pas. Je sais qu'à un moment donné, il faut voir les choses. Faut arrêter de jouer, bon, faire le syndrome de l'autruche, puis se mettre la tête dans le sable, puis avancer à ce niveau-là. Donc, c'est ça. Puis, ce qu'on dit, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance parce que vous avez à l'intérieur de vous accès, comme je vous ai dit tantôt, à toutes les ressources infinies qui existent. Puis, encore là, ce que j'ai comme entendu d'Anthony Robbins hier, c'est que
Les ressources sont toutes là. Ce qu'on n'a pas la plupart du temps, c'est la créativité nécessaire pour attirer ces ressources-là vers nous. Puis pourtant, elles sont toutes là. Donc, puis en même temps, ne pas avoir la créativité, c'est là à l'intérieur de vous. C'est juste qu'il y a un blocage, il y a un voile, il y a quelque chose qui fait que ça nous empêche d'aller vers cette créativité-là, mais vous avez tout à l'intérieur de vous, tout le temps. Puis, c'est juste de se reconnecter à sa créativité, demander à son moi supérieur comment je peux arriver à atteindre ce but-là en attirant les ressources que j'ai besoin. C'est juste d'avoir un focus sur cet objectif-là et ayant un focus au niveau du cœur, une foi absolue, une émotion d'amour par rapport à ça, une belle émotion d'amour, vous allez attirer naturellement les ressources dont vous avez besoin. Bonjour Céline, bonjour Diane. Donc, rien n'est impossible à celui ou celle qui a une foi inébranlable au fait que la puissance à l'intérieur de vous, qui est votre moi supérieur, qui est la source qui coule à travers vous, peut intuitivement vous diriger vers ce dont vous avez besoin à tout moment. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci pour cette connexion dans ma âme. Si jamais vous voulez avoir une lecture personnalisée où je me connecte avec votre énergie à vous et je vous transmets tout ce dont je vois, je perçois, j'entends, c'est beaucoup là, la voyance, c'est très, très, très fort. Donc, je peux faire une lecture comme ça, mais à vous, tout simplement. Ou des lectures, des soins énergétiques. J'adore les soins énergétiques. On met sur papier ce que vous avez besoin d'améliorer dans votre vie au début de la séance. Puis après ça, par voyance, tout ça, je vous transmets ce que dont les énergies, les médecins du ciel, les anges, les archanges vous font sur vous pour améliorer ça. S'il y a des blocages, comme hier, j'ai fait un soin, on voyait clairement les blocages. Il y a des blocages qu'on peut voir clairement, il y en a d'autres qu'on peut ne pas voir. Mais c'est sûr que s'il y a un déblocage qui se fait, moi, je le vois. Est-ce que j'ai toujours, toujours l'information de tout? Non, mais je vois et on le perçoit dans le corps, les gens qui perçoivent. Puis je sais que vous êtes toutes éveillées à différents niveaux. Il y en a donc c'est la voyance, il y en a qui c'est au niveau du ressenti. Vous allez ressentir le travail qui se fait. Puis le but, c'est toujours de vous amener de plus en plus vers votre essence, d'être dans une meilleure énergie, puis d'être de plus en plus des créateurs, créatrices de votre vie. C'est ça. Donc, merci à vous. Bonne journée. Puis on se revoit vendredi à peu près à la même heure sur l'heure du dîner. Merci à vous. Bonne journée. À vendredi.